Où suis-je? C'est une question qui revient assez régulièrement ces derniers temps. Le peu de moments où j'arrive à fermer les yeux et à m'endormir, je me retrouve dans un endroit qui me donne la chair de poule. Il s'agit d'un endroit dans lequel il n'y a pas la moindre source lumineuse. Pas un seul être humain, ni aucune autre espèce d'ailleurs. Enfin, du moins, il n'y a aucune espèce existante dans le monde tel que nous le connaissons. Comment je le sais? Eh bien, l'année dernière, j'ai vécu quelque chose. Quelque chose d'effrayant. Quelque chose que les psys qualifient comme imaginaire. J'ai été dans cet autre monde. J'ai pu voir ce qui s'y cachait. Et aujourd'hui, j'ai peur. Je sais ce que j'ai vu. Je sais que je n'aurais pas pu tout inventer. Les anciens élèves qui ont disparu, la substance organique noire sur les murs, et ce grognement. Il était si proche de moi. Par moments, je sens encore ce souffle sur ma nuque. Après ces événements, j'ai décidé de déménager loin de toute cette histoire. Mais malgré ça, malgré tous mes efforts pour disparaître des radars et pour ne plus jamais entendre parler de ces événements, la police a réussi à me retrouver. Ils ont ouvert une enquête sur ce qui s'était passé. Et j'ai été, pendant longtemps, le principal suspect. Tous les médias étaient sur l'affaire. Et ils racontaient des choses stupides, afin de m'incriminer le plus possible. À cause d'eux, tout le monde pensait que j'avais assassiné ou kidnappé mes anciens camarades de classe, en raison des persécutions qu'ils me faisaient subir lorsque j'étais plus jeune. On m'a fait passer énormément d'interrogatoires, et j'ai dû raconter cette histoire une bonne dizaine de fois. Mais j'ai bien vu que personne ne me croyait, et j'ai compris qu'ils me prenaient pour un dément, incapable de mettre en ordre ses idées. Par manque de preuves, ils ont été dans l'obligation de m'innocenter. Ils n'arrivaient pas à me relier aux substances organiques noires sur les murs de la scène de crime, même s'il y avait les mêmes sur les murs de mon appartement. Et de toute manière, faire disparaître une cinquantaine de personnes, à moi tout seul, c'était très peu probable. Ils ont alors abandonné l'enquête et m'ont laissé tranquille. Les familles des victimes, quant à elles, m'en voulaient terriblement. Elles envoyaient régulièrement des enquêteurs privés chez moi. Je recevais aussi d'innombrables menaces de mort d'anonymes, ce qui me faisait penser que j'étais suivi à chaque fois que je sortais de mon appartement. Si seulement tout s'était arrêté en même temps que l'enquête. Si seulement ils avaient voulu me croire. Mais non. Au lieu de ça, j'ai vécu dans la peur pendant tellement longtemps. Et tout le monde continuait de croire que c'était de ma faute. Que ça ne pouvait pas être une coïncidence que je sois le seul survivant. Après une année sans nouvelles preuves sur l'enquête, on m'a recontacté. Étrangement, il ne s'agissait pas de la police. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait bien être, mais j'ai supposé que c'était la deuxième vague, celle qui s'occupe des affaires classées sans suite. La personne que j'avais eue au téléphone avait la voix trafiquée, et le numéro n'apparaissait même pas sur l'écran d'appel. Chose encore plus bizarre, ce coup de fil n'apparaissait pas non plus dans l'historique d'appel. C'était comme si je n'avais rien reçu du tout. Comme si j'avais encore une fois tout inventé. La voix m'a donné un lieu de rendez-vous, une heure et une date. Rien de plus. Elle a juste rajouté que c'était pour parler de l'affaire d'il y a un an. Impossible de savoir s'il s'agissait d'un canular. Et impossible de connaître les réelles motivations de cette personne. Je n'avais pas eu le temps de placer un seul mot que l'appel s'était terminé aussi brusquement que lorsqu'il avait commencé. J'étais dubitatif. Je ne savais pas si c'était une bonne idée de me rendre à cette rencontre. Peut-être que je savais trop de choses, et que quelqu'un de haut placé voulait me faire taire. Ou peut-être qu'on me croyait enfin, et qu'on souhaitait m'aider. Je n'en avais pas la moindre idée, et je dois avouer que j'étais anxieux à l'idée de me rendre dans cet endroit. Mais ma curiosité était trop forte. J'ai encore défié mon instinct qui me disait de refuser la proposition, et d'aller le plus loin possible de la voix au téléphone. Mais il fallait absolument que je sache ce que ces gens me voulaient. J'ai été une nouvelle fois rattrapé par mon passé, mais je ne pouvais pas rester comme ça, dans l'ignorance. Quand ce fut le jour de la rencontre, je me suis rendu sur le lieu que m'avait donné cette voix, à quelques kilomètres de chez moi. Il s'agissait d'un gigantesque hangar au milieu de nulle part. Il paraissait vieux, abandonné et assez fragile de l'extérieur. Au moment de mon arrivée, j'ai pu constater qu'il n'y avait personne autour. Aucun véhicule ne passait sur la route, mis à part le mien.
C'était comme si cet endroit n'était pas inscrit sur les cartes, ou que les gens l'évitaient. En ne voyant personne à l'extérieur, j'ai décidé de rentrer à l'intérieur du bâtiment, pour voir s'il y avait quelqu'un qui m'y attendait. Mais personne. L'intérieur était extrêmement sombre. Il n'y avait rien. Aucun meuble n'était agencé dans ce grand espace. Au vu des moisissures sur les murs et de l'entretien apporté à cet endroit, je ne savais même pas comment il arrivait encore à tenir debout aujourd'hui. Mais où est-ce que j'étais tombé? J'ai cherché pendant un petit moment, lampe torche en main, et je dois avouer que je n'étais pas serein dans cet endroit. Je continuais de me déplacer, jusqu'au moment où je suis tombé sur une porte. Il y avait une petite ampoule qui était allumée juste au-dessus, comme pour dire que c'était occupé. J'ai poussé la porte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais encore une fois, rien. Il s'agissait des vestiaires des anciens ouvriers qui travaillaient ici, dans le temps. Lorsque je suis sorti, j'ai aperçu une silhouette en face de moi. Elle était assez grande et plutôt imposante. Elle possédait un fusil d'assaut dans ses mains qui était muni d'un viseur laser, pointé directement sur mon torse. C'est là qu'un homme a surgi derrière moi et m'a donné un coup de crosse sur la tête. J'ai perdu connaissance, et lorsque je me suis réveillé, j'avais un mal de crâne plutôt violent. J'étais dans un endroit totalement différent du hangar. J'étais dans une sorte de salle d'interrogatoire. J'étais seul, menotté à la table en fer sur laquelle je venais de me réveiller. J'étais encore un peu dans les vapes, mais j'ai réussi à voir une vitre teintée à ma droite et une caméra à ma gauche qui regardait dans ma direction, comme si j'étais quelqu'un de dangereux. J'ai mis un peu de temps avant de retrouver mes esprits, mais lorsque ce fut le cas, un homme est entré dans la salle où je me trouvais. Il n'avait pas l'air d'être un militaire. Il était habillé en blouse blanche, et il avait un magnétophone et un calepin dans les mains. Il ne m'a même pas regardé. Il s'est assis en face de moi et a commencé à enregistrer la conversation. Bonjour, je m'appelle Frank. Frank Miller. Je suis un scientifique. Je dois avouer que votre cas m'intrigue énormément. J'ai étudié tous les dossiers vous concernant et je pense que vous allez pouvoir m'apporter encore plus de réponses. Surtout maintenant que vous êtes ici. Je vais vous accompagner tout au long de cet interrogatoire. Je vais donc vous poser quelques questions par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mais où est-ce que je suis? Excusez-moi pour tout ça. Je leur avais pourtant demandé d'y aller doucement avec vous. Mais bon, vous savez, le gouvernement, quand on leur dit un truc, ils n'écoutent pas forcément. Vous êtes dans un endroit classé top secret. Je peux simplement vous dire que vous êtes en sécurité. Et que si vous coopérez, il ne vous sera fait aucun mal. Bon, je vais être franc avec vous. Le temps presse. Alors, commençons, voulez-vous? Pour l'enregistrement audio, je vais vous demander de décliner votre identité complète. Je m'appelle Lenny. Lenny Hawk. J'ai 24 ans et je suis étudiant à l'université. Parfait, monsieur Honk. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je suppose que vous voulez me poser des questions sur ce qui s'est passé l'année dernière dans mon ancienne école, non? Effectivement, c'est ça. Vous avez quand même réalisé une prouesse. Vous avez réalisé quelque chose que je pensais impossible jusqu'à ce que j'étudie votre cas. Vous avez réussi à entrer dans l'autre monde sans pour autant avoir traversé le portail. Voilà donc la question suivante. Êtes-vous rentré en contact avec l'autre monde à un moment de votre vie avant cette année-là? Je sais pas. Je n'ai jamais vu votre portail, là. Je me souviens que lorsque j'étais plus petit, j'avais peur du noir. Très peur du noir. Et je savais qu'elle s'y cachait. Je savais que tôt ou tard, elle se montrerait. Mais je pensais pas que j'allais directement venir à elle. Vous parlez de la créature qui est mentionnée dans ce dossier? Vous l'avez vue? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Non. Non, je l'ai pas vue. Calmez-vous. Écoutez, vous pouvez tout me dire. Vous êtes en sécurité. Je suis là pour vous aider, ne l'oubliez pas. Non, je l'ai pas vue. Je l'ai juste entendue, c'est tout. Mais elle m'a suivi. Certaines fois, je l'ai aperçue dans mon appartement. C'était comme si elle s'amusait avec moi. Comme si elle préparait quelque chose d'abominable. Attendez, que voulez-vous dire par vous sentez sa présence encore aujourd'hui? J'ai l'impression qu'elle rôde toujours autour de moi. Et qu'elle ne veut plus me lâcher. C'était comme s'il y avait un lien entre nous. Attendez, je crois avoir fait le lien entre vous et les disparitions. Si cette créature dont vous parlez comme celle que nous avons analysée,
Elle s'est donc accrochée à vous. Vous savez, comme une sorte d'ascension beaucoup plus gros. Pour faire simple, lorsque vous êtes dans son monde, elle est dans le nôtre. Vous échangez de place pour être plus précis. Elle se sert de vous pour voyager entre les mondes. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous êtes le portail, Monsieur Hank. Et par conséquent, vous êtes dangereux. Enfin, la créature qui est liée à vous est dangereuse. Ne bougez surtout pas de là. Je reviens vite. L'homme est parti en courant, comme s'il venait de découvrir le vaccin contre le cancer, en répétant le numéro 11 et un nom, Brenner. Il m'a laissé seul dans la pièce avec une multitude de questions. Quand est-ce que la créature va revenir? Comment fait-elle ça? Et pourquoi moi? On avait voulu me faire croire que j'étais Barjo, mais en fait, ce monde existe bel et bien. J'avais trop d'idées qui me passaient par la tête. J'étais tellement pris dans mes pensées que lorsque les lumières se sont éteintes, j'ai sursauté. J'ai rapidement compris où j'étais. Il y avait de nombreux bruits, des petits craquements tout autour de moi. J'avais une impression de déjà-vu. Ça se passait de la même manière que l'année dernière. J'étais toujours accroché à la table, et cette fois je ne voyais plus rien. J'ai crié pour que quelqu'un me vienne en aide, mais personne n'a répondu. J'étais de nouveau seul. J'ai à peine réussi à distinguer une personne rentrée dans la pièce. Elle a tourné autour de moi pendant un moment, exactement de la même façon que la créature. Puis elle s'est arrêtée. L'ombre a regardé dans ma direction, et elle s'est assise, en face de moi. Je ne savais pas qui c'était, ni ce qu'elle attendait de moi, et comme j'étais paniqué, je ne pouvais pas lui parler. La silhouette s'est approchée de mon visage afin que je puisse la voir de plus proche, et elle avait le même visage que moi. Il y avait une chose qui la différenciait de moi. C'était les énormes cernes sous ses yeux. Puis j'ai entendu cette voix. Personne ne peut t'entendre. Tu es seul ici. Nous t'avons emmené dans cet endroit pour que tu puisses contempler notre œuvre, ce que nous avons créé grâce à toi. Nous t'avons observé durant toute ta vie et nous avons réussi à nous accrocher à toi. Tu avais raison d'avoir peur. Dans ce que tu ne pouvais pas voir, nous étions là, à attendre le bon moment pour pouvoir sortir. Tu es celui qui va nous libérer. Tu es celui qui va nous permettre d'entrer. Et lorsque nous y serons parvenus, lorsque nous n'aurons plus besoin de toi, nous ferons la même chose que par le passé. Oui, nous allons tous t'anéantir. Et quand tu auras disparu, nous anéantirons aussi tes amis. Et après, on s'occupera d'anéantir tout le monde.